Bonsoir, c'est Théo. Merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo. On commence tout de suite ce bulletin. Alors, j'espère que vous avez profité de ce très beau temps sur la moitié sud puisque dès demain, l'instabilité reviendra à cause d'un front qui va certes ne pas être très actif, mais qui va donner quand même des pluies, des pluies généralement faibles à modérées. Et on commence par la matinée de ce dimanche, notre dernier jour qui démarre donc sous la grisaille pour une bonne partie d'entre nous sur le nord-ouest du pays. En général, on retrouve des pluies qui se euh, déclenchent depuis la Bretagne jusque vers les Hauts-de-France, avec l'arrivée donc de ce front. Hein qui arrivera sur les côtes de la manche dès la matinée à l'avant on a une autre zone de pluie une autre zone de pluie beaucoup moins active et certainement aussi beaucoup moins généralisée qui se présente depuis le nord des pays de la loire jusque vers les ardennes sinon les nuages risquent d'être nombreuses sur une bonne partie de la moitié nord et sur la moitié sud également on a beaucoup de nuages et à cela viendra s'ajouter des pluies parfois faibles à modérées, mais les conditions risquent, enfin, seront plutôt nuageuses, plutôt pluvieuses sur la moitié sud. Quoi qu'il en soit, l'instabilité va revenir dans le courant de la journée. Pour l'après-midi, et eh bien voilà, comme je vous l'ai dit sur la moitié sud, dans le courant de la journée, les conditions vont s'instabiliser, avec donc ces pluies qui se déclenchent un peu de partout sur une petite partie de la moitié sud. Ce euh, front continue sa progression euh, il gagne euh, les pays de la loire jusque vers les ardennes des pluies généralement faibles à modérées et donc on a d'autres pluies qui se déclenchent sur la méditerranée ou encore vers le sud-ouest du pays pour la soirée là, le front le front pluvieux continue sa progression euh, il gagne le nord de l'Aquitaine en se prolongeant jusque vers la Moselle, avec donc des pluies généralement faibles à modérées. Et à l'arrière, on a des averses qui se déclenchent sur le nord-ouest du pays, avec des averses qui parfois peuvent prendre un caractère orageux. Sur la moitié sud, les conditions resteront toujours très nuageuses, avec des pluies qui se présentent sur le sud-ouest, mais aussi sur la Méditerranée des pluies généralement faibles à modérées, pas de quoi bien méchant non plus. Mais voilà. Pour lundi, bah pour lundi, le début de semaine démarre euh... comme euh... comme pour dimanche, c'est-à-dire beaucoup de nuages, des pluies qui se déclenchent aussi sur une bonne partie du pays, on retrouve euh, ces averses sur le nord-ouest du pays. Alors, il faut quand même le noter, dans l'après-midi, généralement, a priori, les conditions vont plutôt se calmer, avec une accalmie qui se présente sur la moitié nord, mais qui, en revanche, sur la moitié sud, ne se fera pas vraiment voir, puisqu'en général, c'est de l'instabilité qui dominera, euh, avec des pluies des pluies généralement faibles à modérer et qui peuvent donner parfois quelques chutes de neige à très haute altitude sur la montagne Pyrénéenne ou encore vers les Alpes. Et donc voilà. Donc voilà un peu le récit de lundi. Donc lundi, ça ne va pas vraiment changer. Hein. Alors à l'exception hein, de la moitié nord. Conditions vont être plutôt calmes, mais sur la moitié sud, euh, bah voilà, les conditions seront plus nuageuses, beaucoup plus pluvieuses, et ça va un peu euh, comme comme on dit, en fait, ça va un peu ça va euh, alterner. J'allais dire altéré, mais c'est pas la même chose. Ça va donc alterner. Euh, donc par exemple hier et vendredi, c'était autour de la moitié sud. Et bien là, à partir de lundi, c'est autour de la moitié nord, d'être sous le soleil. Mais voilà, euh, comme, euh, comme dit avant hein, dans cette vidéo, ce bulletin météo, euh, les conditions vont rester instables malgré tout. Et donc, et donc voilà, voilà pour mardi, bah, pour mardi, ça change pas. on a toujours ces conditions très nuageuses sur euh... la moitié sud. pourquoi, euh, bah, on a une dépression, une dépression qui remonte depuis la mer méditerranée, et qui va donner de bonnes pluies en soirée de mardi hein, sur... Euh, l'ouest de la Méditerranée, ainsi que vers les montagnes pyrénéennes, et d'où les cumuls peuvent être importants, de neige à très haute altitude, en revanche. Et ça, c'est... Euh, pour les plaines, a priori, c'est de la pluie qui va tomber. Et des pluies, genre, vraiment actives, hein, a priori. Et donc, et donc voilà. Euh, sur euh, le sud des Alpes quelques pluies qui peuvent se déclencher qui peuvent donner aussi parfois un ou deux chutes de neige possiblement euh, et sur la moitié nord euh... bon alors pas de changement non plus sur la moitié nord hein. on pourrait à nouveau être sous un soleil euh, bien franc mais avec plus de nuages peut-être euh, et, euh, et donc voilà et pour la suite ben... alors, pour la suite ça ne va pas vraiment changer on a toujours ces conditions très instables euh, alors ça pourrait peut-être changer à partir de jeudi hein, et jeudi là le ciel pourrait être plus clair sur la mo moitié nord réduisant le risque de neige sur le nord-est qui de base devait être prévu pour jeudi prochain. Finalement, a priori, ce ne sera pas le cas, même si ça a le temps de changer, attendons. Euh, mais voilà, pour l'instant, les prévisions privilégient surtout un ciel plutôt calme sur la moitié nord pour jeudi, donc réduisant hein, ces risques de chute de neige sur le nord-est du pays. Puis ensuite, et eh bien pour la suite, hein, la fin de semaine prochaine et le week-end prochain, devrait... Hmm. Voilà, redevenir instable. Et qui sait peut-être qu'à basse altitude, quelques chutes de neige puissent tomber. Mais, euh, mais voilà. Voilà. Et ce froid pourrait perdurer au moins jusqu'au-delà du 1er décembre. Mais jusqu'à quand On peut pas le savoir. Voilà, ça va être la fin de ce bulletin météo. Je vous remercie à tous hein, d'avoir suivi ce bulletin. Euh, merci à tous. Passez une excellente soirée. Puis euh, euh, je ne pense pas qu'on se retrouvera ce soir pour une prochaine vidéo. Mais euh, et voilà. Donc ben, passez une excellente soirée. Puis euh, à demain.